pas les 10e Days, globalement, pour moi, de mon côté, c'est réussir. Mais le mec. Ça a été la fête. Et ici, à Rosso Day, c'est pas sur la piste. Hein. C'est au bar et sur la piste. Toujours au bar. C'est une moyenne. Ça a été la fête. Et ça a été la fête. De la moto, des potes. C'était formidable. Tout le monde a joué le jeu, c'était comme ça. L'esprit 17 Days, c'est avoir du fun, quoi. C'est venir pour rencontrer des gens, sympathiser, échanger autour de la moto, ce qui devient presque un détail après, tellement on passe des bons moments même sans la moto. Donc c'est ça si tu veux, c'est une globalité, c'est pas que la moto. Les Belges aiment bien se faire abuser, ouais. Non, Adrien, t'es pas belge, t'as pas le droit de te faire sodomiser habillé en banane. La banane, tu vois, mais je me suis pissé dessus derrière et je crois que c'est le cas de pas mal de gens. Oh, ah, derrière les sensations quand on arrive sur un terrain de Jeannot, en plus il voulait pas couper les sauts, je dis arrête les sauts, non, je veux pas les sauts. L'autre, mort de rire. Ah. J'avais jamais roulé sur la terre avant, c'était quand même ma première expérience en cross et là je dois dire qu'avec Blitz, grâce à Blitz, ça a été une expérience énorme. Les participants, ce qu'ils aiment bien aussi, c'est ce qu'on apporte d'un point de vue technique quand même, il n'y a pas que la fête, ils sont là aussi pour apprendre à mieux maîtriser leur machine pour prendre justement un peu plus de plaisir, chacun à son niveau. Donc on s'efforce toujours de faire venir des très très bons pilotes. Cette année on a forcément eu beaucoup de chance étant donné qu'on avait les deux titrés 2013, Sylvain Bidard et puis Adrien Goguet qui sont champions de France. On a eu donc Ludovic qui a déplacé toute la structure Lucain. Warren Bougard aussi qui a répondu présent instantanément. C'est eux aussi qui veulent partager quelque chose et puis moi quand je leur ai demandé, ils m'ont dit bah il n'y a pas de souci. Donc ça aussi ça fait plaisir, ça fait plaisir. Là pour apprendre, c'est pas un stage mathématique, etc. C'est juste des petits conseils et ça leur fait tellement de bien que c'est pour ça aussi qu'ils viennent. Donc moi je dis merci messieurs. monde a le temps de s'apprécier, que ce soit un bon ou un novice, tout le monde s'apprécie, tout le monde échange. Toi, tu as bien remarqué que le paddock, c'était familial. On est dans un grand village, c'est le village 17 Pouces en fait, et c'est tous les jours de marché. Guy, avant, c'était notre cuistot, quoi. Le cuistot, enfin, le grand ami à Jeannot et puis à Vincent. Je pourrais pas. Ça va être péchu, hein. Si, ça va le faire, ça va le faire. On aura quand même une pensée pour Guy, qui nous faisait notre petite popote à nous avec le staff. Il nous a manqué, donc forcément, moi j'avais une pensée pour lui quand même cette semaine-là, parce qu'il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis bah, forcément, une pensée pour Olive, qui a été un des premiers profs sur les premiers days, qui avait dit oui aussi spontanément, alors qu'on lui avait rien proposé vraiment de concret ou de construit. Il avait dit oui, c'était notre ours à nous, ça. Et pareil, hein, il aurait aimé cette fête-là. Il aurait aimé cette fête-là. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de coups qui ont été bu pour ça. Et puis il a été représenté sur toutes les motos. Il ne nous reste plus que ça de penser à eux de toute façon, donc il faut y penser. C'est pas sur la piste, hein. C'est au bar et sur la piste. Toujours au bar. C'est une moyenne, c'est une moyenne. Et là, il va gagner des secondes. National de France 3 ce week-end, un stage de Supermoto à Alcanis. Ici, un membre participant au stage. Alors, bonjour maman. Je pense que ça va être vraiment super. Les profs sont un petit peu limite, mais bon, il y en a quand même des sympas, quelques-uns. D'accord. C'est un menteur. Jordan est pas mal. Germain est un petit peu limite, mais je pense qu'il a moyen de faire mieux. DBS, des bières du Sky. Je suis le père à Warren. Et puis aussi le père à Goguet, Adrien Goguet. Pour cette belle soirée, et pour cette belle journée, à qui vient la version. Du travail, et puis le travail il est récompensé par des merci et par des sourires. Tu as constaté à travers l'œil ton de la caméra qu'il ne faisait pas souvent la gueule. Hein. Pour bien faire les choses, il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps, et j'ai de moins en moins de temps. Donc si c'est pour faire quelque chose qui ne me tient pas à cœur avec la qualité que moi je veux offrir, je préfère pas le faire. Donc pour le moment, on dit que c'est les derniers, on verra. Ah, franchement, on serait pas là, il n'y aurait pas de Days. Bah, on vendrait moins de Doliprane. Merci Guy. C'est là qu'il faut venir lire là. Viens, viens mon copain. Oh chiotte. Ouais, comme ça, là, toi, ils viennent de signer qu'il n'y aura pas de 11e Days. Ils ont tout gagné. Ah, je suis au bout du rouleau, moi. Je suis mort. Eh ben, Adrien Goguet, eh ben, il mérite son nom, hein. Ouais. La chinoise avait moins une grande gueule avec Sylvain quand même à la première atelier. Le ratationnage il l'a pas dit. Le mot trissé, impulsionné. Message for him. Ouais, qui vient du fond du cœur. Ouais, un truc, qu'est-ce qui te parle là si tu penses à Blitz? Ah d'accord. Je suis paysagiste, je vais élargir tes horizons. Je manie bien la rondelle. Voilà, regarde, ça c'est en véritable pot de gomme. Oh là là. Merci Blitz. Merci Paco. J'ai pris 200 tickets, mais du moment que j'ai pas le numéro 56, je suis à peu près sûr de gagner. Merci Guy. Merci Jackie et Michel. Il y a des connaisseurs. Un spécial dédicace pour mon copain William qui est pas là, qui devait venir quoi. Et en fait il m'a cassé toute l'année les couilles avec ça quoi. Donc maintenant en fait l'année prochaine on est là quand on est présent. On a une structure en face de vous quoi. Et ça va chier. Le Team Rook 1 quoi. Le Rook 1 pilote, le Rook 1 mécano, le Rook 1 cuisinier, on cherche que le Rook 1. Yann l'a dit, surtout, vous mettez le bras en rouge. Les gars, c'est le même logo. Désolé. Les gars, vous avez un problème avec l'alcool, hein. Faut arrêter, hein. Arrêtez là. Sans Pellegrino pour tout le monde. Allez hop. Tu reprends verre. Allez, c'est parti. Allez, c'est le bar. Allez. Ah mais c'est le mauvais là. Attendez, s'il vous plaît. Pas de caméra, On n'est pas chez TF1 là. Allez, oh. Ça a des problèmes l'alcool. C'est ça qui a gerbé devant mon capteur. Ah c'est moi. Hein? Ouais c'est moi, je sais pas quoi. La bouteille d'eau, alors on fait une blague où il faut des entonnoirs, tu sais, tu fais couler la flotte dans le ben des mecs, c'est hyper rigolo, sauf que lui il coupe la bouteille, il oublie de retirer le bouchon. Ça c'est Seb, c'est bien. Ça je l'ai eu en live. Ouais. Oh, putain, revendique, c'est comme... Ça c'est Seb. Regarde, il a baissé le bouchon. Ah t'es sérieux toi? Oh attends, putain, c'est pas possible. Mais alors arrête, c'est pas possible. Vous faites des cordons bleus les gars. Il manque un peu de persil. Moi je te dis pas comment rouler, donc tu me dis pas comment cuisiner. Pourquoi tu fais un grimace? C'est à ce moment là que tu fais, bah tu veux boire un coup. Bah attends, pour 20 balles la braille.